Tu as vu nos badges? Humain, ces choses sont privées. Comment tu peux les voir? Mes défenses étaient impénétrables. Non, ce ne sont pas des choses de squelettes ou des choses de monstres. Ce sont... Putain, gamin, tu n'es pas très bon pour respecter la vie privée des gens, n'est-ce pas? On a des raisons de les garder pour nous, tu sais. Oui, de très bonnes raisons. Complexes et inconversibles. Mais que tout le monde peut comprendre. C'est quoi? Je n'aime juste pas y penser. Voilà pourquoi. Ça me donne l'impression que... J'ai oublié quelque chose. Plusieurs années plus tôt. Tu penses que je suis bête? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Quand il m'a pris aujourd'hui, je lui ai demandé pourquoi il me faisait ça. Et il m'a dit que tu étais l'intelligent et que je comprendrais pas, même s'il m'avait expliqué. Alors je lui ai demandé pourquoi il continuait de nous faire du mal, vu que je ne me souviens pas avoir fait quelque chose de mal. Et il a dit quelque chose comme... Il pouvait faire toutes ces choses parce qu'il était fort, comme les gens voulaient qu'il le soit. Il était engagé dans un niveau de violence qui l'a rendu comme ça, quelque chose comme ça. Et il a dit, tu ne peux pas faire demi-tour. Mais je ne pense pas que ce soit vrai. Il doit bien y avoir un moyen de faire demi-tour. C'est obligé. Il doit y avoir un moyen de l'arrêter. Je pense que s'il était comme ça à cause de la violence, alors peut-être que le moyen de régler ça, c'est d'être non-violent. Alors je lui ai dit, même s'il a fait un tas de mauvaises choses, ce n'était pas trop tard et qu'il pouvait changer et devenir gentil. Tout le monde peut être gentil. Je pourrais même l'aider à être gentil s'il voulait que je le fasse. Il a dit que j'étais plus stupide et que j'en avais l'air. Tu penses que je suis stupide? Non, Frangin. Je suis la personne la plus intelligente ici.